20h, 21h. Ah non, en fait, c'est 22h ce soir. C'est Storytelling en direct sur Fréquence ESV. Oh, et on a quelqu'un au téléphone avec nous. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je n'ai aucune idée de qui il s'agit, hein, aucune méchanceté là-dessus. D'ailleurs, hein. D'accord. Et vous voulez commencer avec une petite question. Est-ce que vous pouvez nous donner des indices sur votre personne? Est-ce qu'on vous voit souvent? Est-ce que vous faites partie de l'école? Est-ce que vous faites... Non, je ne fais pas partie de l'école et j'ai dû mettre les pieds il y a très longtemps. J'ai donné un cours, mais il y a peut-être 10-15 ans. Donc non. Je ne pense pas qu'on se soit vu. D'accord. Et vous travaillez donc maintenant dans le monde du journalisme? Eh oui, depuis bien longtemps. Dans quel média? Alors, je suis un homme de presse écrite, essentiellement. Mais si je vous dis dans quel média, ça va être trop précis. Je risquerais de donner trop d'indices. Donc, de la presse écrite, majoritairement presse professionnelle. D'accord. J'ai du mal. J'ai clairement du mal à trouver. Est-ce qu'on vous... J'ai fait des efforts pour travestir ma voix. Non, c'est... D'autres indices. Quel type d'émission dans lesquelles vous avez travaillé? D'émission? Ben, d'émission, je peux pas donner d'exemple parce que j'ai jamais fait de radio. En fait, c'est une grande première pour moi de parler à la radio ce soir. D'accord. Ça t'arrange pas. J'avoue que la recherche commence à s'affiner, mais j'ai quand même des doutes. Ça commence à être assez compliqué au niveau de mes recherches. Est-ce que vous auriez éventuellement d'autres indices encore potentiellement à me donner pour que je puisse éviter de ramer comme pas possible pendant des heures et des heures? Ah, moi j'aime bien vous voir ramer, je trouve ça sympa. Hein. Moi qui vous ai surtout vu courir après des ballons ovales, des verres de bière. Non, ça vous dit rien ça non plus? Non. On a quelque chose en commun, c'est une remontée des Champs-Élysées à pied. Putain. Non! Qu'est-ce que tu fais là, Stéphane? Ah, bah, quand même. Mais qu'est-ce que tu fous là? Comment ça, qu'est-ce que je fous là? Mais. Belle surprise! Très belle surprise! Ah, oui, merci. Moi, je découvre surtout que tu as mis une émission de radio que je ne savais pas. Donc, je regrette d'ailleurs, je t'aurais écouté plus souvent. C'est vrai qu'au niveau de la communication, je suis pas forcément le meilleur là-dessus. Qu'est-ce que c'est comme émission maintenant que c'est la dernière? Pour ceux qui comprennent pas, voilà, il s'agit de Stéphane Demazure qui est mon parrain, qui est la première personne qui m'a aidé pour mon premier stage de ma première année de l'ESJ Paris, et qui m'a surveillé et qui m'a encouragé et engueulé en même temps. Et j'ai de très très bons souvenirs, notamment quand tu m'as mis un coup de pression quand j'étais à deux doigts de rater mon bac. Je m'en souviens de cet appel. Je m'en souviens très bien de cet appel. Je pense que j'aimerais bien éviter de ne plus en avoir comme ça. Bah, merci beaucoup pour le petit message, le petit passage. Ah non, c'est très sympa de t'entendre, et puis écoute, je suis impressionné, j'écoutais en attente là, c'était passionnant, et je vois que tu te débrouilles très bien, donc je suis très fier de mon filleul, vraiment. Merci. Avec grand plaisir de vous faire. Très agréable surprise, très très agréable. Bah écoute, envoie-moi un message dès que t'es à Paris, et puis on s'organise un truc, parce que là ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Avec grand plaisir, et bravo encore pour tout ce que tu fais, c'est top. Merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir été là ce soir avec toi. Merci beaucoup, et passe une bonne soirée, embrasse tout le monde. Pas de soucis, ça marche, t'embrasse aussi Dimitri. 20h, 22h, ce soir c'est la dernière de Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Dimitri chez toi, y'a que ta mère à sauver, tu fais le grand gaillard mais t'as peur des poneys.